Hey, 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 bright fellas. Jonjo Craze movement. Jonjo Craze part 2, not 3. Otherwise, this morning we're gonna watch a little of the basketball final game on Bein Sports. Jonjo Craze movement. Football, soccer, basketball, dance, aerobics, yoga. Morning show. Good morning, Jonjo Craze show. Il n'y a plus rien dans le frigo, hein? Ok. On se fait un demi-euro? Dans le placard non plus, il n'y a rien, hein? Ah, ok. On se fait un demi-euro. Un demi-euro, vous restez prêt à être touché. Attention, c'est un demi-euro. À ce moment, sur demi-euro, la livraison est offerte pendant 2 semaines dès la première commande. Sont multiples, mais les sensations uniques au volant du Lexus Hybrid. Et en ce moment, les nouveautés Lexus Hybrid sont à partir de 299€ par mois. Entretien inclus, porte ouverte sur le Bein Sports, insert, insert, commercial, TV, ad. Everything is game. Everything is game. Le monde change, évolue, si possible. Nous devons repenser l'usage de nos ressources, nous adapter. The Jonjo Craze show, the Jonjo Craze morning live show. Today we're watching basketball. Yes. It's the playoff final. Yes. Choisissez la fiabilité et la rapidité. Tranquille, mais tu seras où? En haut, en bas. Vous pouvez télécharger l'application et envoyer de l'argent maintenant avec le système. Ok, vas-y, je te comprends. Vas-y, d'accord. BNG, Dolce & Gabbana. Jonjo Craze Show. And it's the playoffs, Bein Sports, basketball, Jonjo Craze, baby, watching basketball. Rest in peace, Kobe, rest in peace, Shaquille O'Neal, LeBron James. Ready.
T'as mieux le moins je peux rester quoi déjà les mecs. Bonjour à tous et bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir en direct sur Bein Sports. Ce sont les finales NBA, c'est lundi, il pleut et je vous apporte un peu de soleil. Lorsque nous allons parler du match 3 de ces finales aujourd'hui et que la table est formidablement bien remplie. Nicolas Matou et Evan Fournier, Jacques Monclar sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonsoir Marie, merci d'être là, les gars. C'est un vrai plaisir pour nous de vous avoir. Ouais, tu dis. Non, moi, je suis à l'enfer maintenant. Ça y est, mais oui, il a son badge. Si, je devrais même dire bienvenue, Nico. C'est ça. Vous sortez tous les deux de l'entraînement, c'est ça, Nico? C'est ça. Bravo. Vous travaillez déjà en cette off-season, même si on ne connaît pas, on ne connaît pas la date de reprise. Qu'est-ce que vous faites, Evan, pendant cette off-season? Il faut rester en forme, hein. C'est du travail un petit peu d'aérobie, de shoot, de muscu. Voilà, c'est principalement, je dirais, de l'entretien. Voilà. Non, c'est exactement ça, c'est basket, shoot, tout ce qui est cardio, muscu, histoire de garder le corps et basket en route. Nous aussi, on travaille un peu aussi là-dedans. Non, mais c'est bien, ça fait partie, là. C'est la partie invisible de la carrière d'un joueur. Ils font ça, ils mangent correctement. C'est là, oulala. Si toi, je te vois avec leur plat. Le retour à Paris, c'est. Mais ça fait partie. Dans la saison, le travail invisible est important et en off-season, il faut bosser. Et il faut bosser ses points faibles aussi. Il y a l'entretien, les points faibles, réfléchir, y a penser. C'est pro, ils savent mieux quiconque. Exactement. On va regarder donc, messieurs, ce qui s'est passé hier soir. C'était le match 3 des finales NBA en direct d'Orlando, les Lakers. NBA Finals, Donjo Craze, Bein Sports, tuning Bein Sports. Goran Dragic et Bam Adebayo sont donc annoncés out pour ce match. Ils ne vont pas jouer. On a beaucoup d'inquiétudes concernant le cas de Goran Dragic. On dit que Bam Adebayo, à un moment donné, va jouer. Est-ce que, Evan, c'est une surprise de ne pas les avoir vus dans ce match 3? Ah, moi, j'étais surpris hier soir. Surtout pour Bam. Pour tout vous dire, j'étais au resto hier soir. Et je joue au tout à l'heure. Et Bam, je vois la nouvelle. Et j'étais déçu. J'étais déçu parce que je pensais que ça allait être un peu une rebelote du match 2. Mais non, pas du tout. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir revoir Bam quand même. C'est sûr, hein, mais quel coup dur pour Miami. C'est un énorme coup dur, c'est vrai que physiquement, là, même si, comme Evan a dit hier soir, ils ont quand même un petit fait le tir physiquement, c'est ce qu'a fait la victoire d'ailleurs. Mais sur le long terme, ils ont besoin de Bam pour défendre sur Eddy. Je ne sais pas qui dirait ça sur une performance comme ça. Donc, Goran, j'ai du mal. Ah bon, on va revenir. Avec le type de blessure qu'il a fait avoir. Il est touché à la boucle plantaire. Ouais, c'est compliqué. Compliqué, mais Bam, ça m'étonnerait fortement qu'il ne joue pas le match 4. Ce sont des finales liées. Oui, c'est unique dans une carrière, ça doit être terrible. Goran Dragic, un monsieur à la boucle entière, s'il est déchiré, ce sera dur, Bam Adebayo. Je pense que le Heat savait qu'il n'allait pas le jouer. Attends. Parce qu'il a sans doute permis qu'une équipe se prépare mieux quand elle sait où elle va et avec qui. Clairement, ils savaient. Ils savaient qu'ils ont très très bien joué le coup. Et je pense que ça a été un impact, puisque on sait tous le résultat. Ça a été un impact dans la tête des Lakers aussi, cette annonce. On verra. Bien sûr qu'on va regarder ce qui s'est passé. Dans le résumé, avec bien sûr toujours cette hymne, le genou à terre et cette volonté d'appeler les gens à voter. Et ce mauvais début de match, des Lakers qui perdent trop de ballons dans le premier carton. 10. Ah, ça c'est une perte. Vous savez, ce match m'a rassuré à plein d'égards. En jouant un match de coquin, parce qu'un match du dimanche matin, vous pouvez rendre la meilleure équipe du monde complètement idiote. Voilà. Et ben c'est ce que Miami a réussi à faire dans le premier carton. Le banc ici que prend Anthony Davis après le panier de Kyle Kuzma. Mais bon, regardez, les Lakers sont devant, ils n'ont pas été beaucoup devant dans ce match. Et on l'a dit, Anthony Davis a été trop discret pour les Lakers. Il va terminer la partie avec 15 points. En face, qui on va retrouver? On va retrouver le quatrième avec Jimmy Butler qui a été excellent hier soir. Rien qu'en première période, il va terminer à 19 points, à 8 sur 12. On peut rajouter les 6 rebonds et les 6 passes décisives. Anthony Davis n'est pas dans un bon jour. Il va être énormément embêté par les fautes et trop rapidement. Il en fait de rester, comment dire, il ne pas arriver à ce niveau-là. Après, il y a le monde qui ramène son équipe. Le Heat qui alterne bien les défenses, qui a fait beaucoup plus de mal.
ici LeBron James à 6 points. Les Lakers ne sont pas loin, mais le Heat est devant. On va enfin voir les tireurs du Heat aussi, avec Duncan Robinson et Tyler Hero, qui vont se montrer dans cette partie à des moments importants pour Miami, qui reprend un peu d'air. Mais à chaque fois que Miami reprend l'air, eh bien les Lakers sont de retour. Il touche au-dessus de la planche, regardez. Le rebond, il est... C'est bon, hein. C'est précis. Mais ça, c'est toujours Miami qui est devant, plus 5 pour le Heat, LeBron James ici. Avec la faute, les Lakers sont au contact, comme on dit à ce moment-là, quand même, les Lakers, ils vont réussir à passer devant, non? C'est ce qu'on peut penser, Marc. Les Lakers sont au contact et repassent devant, alors que vous voyez, il reste que 9 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Mais Jimmy Butler va prendre les choses en main sur la tête de LeBron James. Jimmy Butler va réussir une performance incroyable. Et Kelly Olynyk aussi a été bon dans ce match avec ses 17 points. Mais c'est lui l'artisan de la victoire de Miami hier soir. Il va terminer en triple-double, mais surtout avec 40 points au compteur. Jimmy Butler a été immense. Et il nous dit que les Lakers auraient quelques soucis. On va en parler dans un instant. En tout cas, on a une série, messieurs. 115 à 104, victoire de Miami. Ça fait 2-1 pour les Lakers. 25 points et 10 passes. Et 10 rebonds, pardon, pour LeBron James. On l'a dit, Maurice a été bon avec ses 19 points. Kuzma a été présent également. On a tiré beaucoup à 3 points encore du côté des Lakers avec moins de réussite. Mais donc, Jimmy Butler termine avec son triple-double. 40 points, 11 rebonds et 13 passes. On va parler de cette très belle performance de Jimmy qui nous régale quand même depuis le début de cette année. Ah, les lunettes! Elles sont chez Alibaba. C'est l'indice du cours des tout frais en plus. Hein. Vous savez, on a plein d'idées. Merci Jimmy, non, Nico, pour cette victoire de Miami. Merci Jimmy, bien sûr. C'est Miami qui a gagné. Au match de l'année, si Miami voulait gagner, il fallait que Jimmy soit dans le match 35-40 points. Et il a fait plus triple-double derrière, donc c'est avec surtout avec l'absence de Bam et de Dragic, je t'enlève 37 points, 38 points en moins dans une équipe là. Donc tu dois être compensé par tout le monde, mais surtout par lui. Et c'est ce qu'il a fait hier soir. Quel leader, Evan, que ce Jimmy Butler qui répond présent et nous dit c'est pas fini, on lui dira et quand même. Non, il a vraiment pris les choses en main. De toute façon, pour moi, quand tu regardes le match, sa stratégie était claire. Ce qui a changé de 1, ce qu'il a joué meilleur, donc il a monté la balle sur toute la durée du match. Sur toutes les situations de contrat, c'était très simple. Dès qu'il y avait Kuzma ou Danny Green en face de lui, c'était tout le monde s'écarte, je drive et je vois ce qui se passe. Et il a fait ça tout le match, il a vraiment fait ça tout le match. Et je pense que la défense des Lakers a été pénalisée sur tout leur switch parce que justement, sur la fin de match, LeBron était sur Butler. Et à chaque fois, il demandait les picks des extérieurs, qui changeaient. Et on peut voir sur les 5 dernières minutes que c'était juste drive après drive. Voilà. C'est d'ailleurs ton top, hein, Evan. Il n'a pas mis un seul 3 points, je crois. Dis, bah oui, c'est le seul joueur du Heat qui n'a pas shooté un 3 points. Ah oui, ouais. Jimmy Butler, le top, Danny Green, le flop, c'est vrai que Danny Green, il n'est pas trop présent dans le jeu. J'ai été un peu dur avec Danny parce que c'est vrai que j'aurais pu parler de l'absence. Il a un pop, non? Non, c'est vrai. Il n'a pas volé, mais disons qu'au bout d'un moment, je sais que c'est quand même compliqué pour lui parce que c'est un shooter. Playoffs, NBA, Miami Lakers. Ta spécialité. Two il one. À un moment donné, et puis surtout, il arrête de tirer, et c'est ça pour moi qui la fout mal. C'est-à-dire qu'il est très résistant. On sent qu'il est très résistant. Ce match, il fait 0 sur 8. Le dernier match, il fait 1 sur 8. Et le pire, c'est qu'en défense, il se fait un peu martyriser par Butler. C'est ça qui fait mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas dedans, il refuse des tirs, et en plus de ça, il ne défend pas. Donc, Danny, je suis désolé, mon gars, mais voilà, t'es mon choix du match. c'est jaloux ou c'est un fait de jeu? Non, c'est le joueur. Parce que c'est une des surprises, alors Danny Green, mais qui est ici. Un shooter qui mord l'année, quand même. Mais oui, c'est quand même pas possible, il n'en a pas perdu. Non, il est clairement pas en confiance. C'est sûr, il n'a plus confiance du tout. Il n'avance pas. Tu vois ce qui va se passer? Ce petit c'est qu'il est clairement. Alors, comment on change ça, Evan? Comment est-ce qu'on retrouve la confiance? On sait que c'est quand il va en mettre un, il va dire allez, c'est reparti. Il en faut juste un, c'est ça? Ce genre de mec, il en faut un. On oublie trop ce qu'il a fait quand même. Il a le record de 3 points marqués sur une série. C'est lié quand même. C'est pas un mec qui est arrivé l'année dernière. L'année dernière, il fait des gros playoffs et une grosse finale aussi. Il fait des gros tirs, surtout en match 6. Donc, un seul.
ou deux de suite et parfait. Ce que je fais dans ce cas-là, si j'ai vraiment une mauvaise soirée, je me prends un petit burger, je me prends une bonne bouteille de vin, je me regarde un bon petit film, je tire la fête des toilettes hein, pour flush the game out, et puis après, le prochain match, Ou Taïro pareil, et Olynyk pareil, parce que Olynyk c'est pas bam bam, il les prend pas forcément les 3 points. Maier, soit il les prend. Olynyk, ouais, donc ça. Alors je te fais quand même là, parce que ça change rien pour le panier. Pour moi, sur le panier, c'est là quand il va la déposer, c'est le panier qui donne le match, qui clôture le match. C'est pas admissible. Au moins, vous voyez-le sur la ligne à droite. Ah, il en a tiré pas mal des lancers pour moi. Ça, il en a tiré. Et les aigles en plus, ouais, ça c'est bon pour les aussi. On va demander à Evan et à Nico qui défendent sur lui. Wow. Il sait faire mettre les bras, rentrer dedans, provoquer des frontales sur la ligne. 40 points en triple double, c'est très rare, hein. Vous imaginez quand même, c'est quand même une performance qui s'inscrit dans la légende des triple double à 40 points en NBA Finals. T'as LeBron James. Et t'as Jerry West, mais c'est la seule. Ah ouais, le Brown James, il est pas quand même. Ce sont ces genres de performances dont on se souvient, mais encore. C'est pas le mec de Khloé Kardashian. On va l'écouter. Jimmy Dean, le Brown James, il va s'appeler Khloé Kardashian. Après la mort. We won. I could care less about triple-double. Bon, maintenant les Rafa, ils font du basket. On peut plus. And I hope like that. But like I always said, you guarantee me win, I could care less. He was on the game. They needed for him to do tonight, and he came through big time in a big time game. And we'll watch the film and see ways we can be better. I'm going to the game. I love that. He led the entire game, and he was just on his back. He's making plays for himself, making plays for others, and he got us to win tonight. It's really hard to analyze or describe Jimmy until you actually feel him between the four lines. He is a supreme, elite competitor. Voilà les mots d'Eric Spoelstra, et c'est vrai que c'est un compétiteur, on ne cesse de le répéter depuis le début de ces playoffs. Pourquoi c'est si difficile de défendre sur lui, Evan? Parce qu'il peut faire beaucoup de choses, mais je dirais que son arme principale en attaque, c'est qu'il est très malin pour provoquer les fautes. Et il marque de plusieurs façons, il marque beaucoup de paniers sur des C'est un gros match qui lui sort, il sort un match de mammouth, mais sur une saison régulière, c'est un très bon teammate. C'est-à-dire que cette année, il n'a pas du tout pris un rôle de superstar où il avait tous les ballons, il s'est vraiment adapté à l'équipe et c'est un dur au mal et c'est pour ça que ça marche entre Miami et Butler, c'est que la mentalité conne et c'est un peu la mentalité pas trailer, Spoelstra, tout ça, c'est que c'est, enfin au Heat ils appellent ça la culture et donc ça marche entre eux tout simplement, ça colle. C'est ce qui explique ses performances. Nico, il a trouvé son équipe en affrontant Jimmy Butler. C'est le joueur parfait de la Pretty White. Justement, comme dit Evan, qui colle à la culture Miami, à la culture Patra et Spoelstra, il avait besoin de ce challenge-là, il voulait aller là-bas, il voulait cette culture, il voulait tout ça en fait. Et il l'a dit depuis le début de saison, il a amené. Miami était déjà très fort, il a amené ça en plus, il a intégré ça envers ses coéquipiers. Et après, tu rajoutes des joueurs comme Crowder et Guadala, des joueurs qui sont un peu en même mentalité que lui aussi. Et ça donne ça. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être cadrés. C'est-à-dire que quand tu vas dans certaines équipes, tu fais un peu ce que tu veux.
On ne fait pas forcément des règles. C'est très libre, tu arrives sur le terrain, tu joues. Miami, ça se passe pas comme ça. Miami, tu n'as pas trailé qui met les choses au clair. Tu dois avoir 6% de balles faites, donc de masse graisseuse. Sinon, après l'entraînement, tu cours. Tu as des amendes. Il y a des règles qui sont très précises. Et c'est un droit qui est très discipliné. Et pour un joueur comme Jimmy qui a besoin de ça, ça l'aide, ça le rend meilleur. En plus, c'est la tarte, Jimmy Butler. Une organisation qui a besoin de ça. Oh là là. Ça peut engendrer chez certains joueurs. Ouais, quand tu as un mec de 2m10 qui prend deux balles. C'est sérieux. Ouais, c'est bon, quoi. Après, c'est le Nicolas qui était prêt, on n'a pas avant-match. Je pense qu'il y a vraiment cette culture pas cradée où il y a bien une équipe, même les mecs qui jouent là-bas. Allez être prêt, c'est cette équipe-là. D'où il y a Myers, Nick, en son cas. Jimmy Butler, je pense qu'il est très sensible au fait que tout le monde le suive. Si lui, ça se traîne à travail, c'est ce qu'il recherchait à Minnesota, c'est ce qu'il recherchait aux Sixers et à la fin aux Bulls. C'est que, il y avait des gars qui appliquaient pas cette fameuse Riley Hoops, Spolstra Hoops, comme vous voulez. Voilà. Et là, il est comme un poisson dans l'eau. Et c'est un joueur tellement all-around. C'est le seul qui n'a pas shooté à 3 points hier. Et il fait un triple-double en faisant jouer tout le monde. Et ils auraient pu être plus adroits. Voilà. On va à faire tout ça. Où est-ce qu'on les laisse à faire tout ça. Mais ce qu'il a fait, lui, pour sa première finale NBA, en portant une équipe, on va dire que c'était le Big Three quand même, Adebayo, lui et Dragic. On a les deux membres du Big Three. Et ben, il a mis la partie point sur ses épaules. Il a mis la partie passe sur ses épaules, la partie rebond qui était leur leitmotiv. C'est ça qui les a mis en confiance, de plus donner le rebond offensif et de faire perdre des ballons. Voilà. Il vous surprend ou pas Surprend, non. Il ne me surprend pas. C'est, il a, comme dit Jacques, il a son début de match, il a mis tout le monde d'accord et tout le monde a suivi derrière, lancé le coaching. Et son rebond, c'était même si il avait un dur rebond, il perd pas le rebond offensif. Non, mais c'est vrai que c'est sur le bon moment que j'ai l'air, c'est que... Ah, mais il y a plein de français maintenant, NBA, alors. Depuis Tony Parker, ou quoi? Depuis avant Tony Parker. Oui, mais je peux pas dire... Ah oui, il y avait l'Africain, là. On tombe majeur. Mais j'aurais mis l'un de moi, c'est Olivier Saint-Jean. Mais j'aurais pas mis l'un de moi. On va vous montrer quelques chiffres pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Moins de points marqués, c'est ce qu'on avait dit. Il faut que les Lakers marquent moins de points. Ils vont resserrer la défense quand même, Miami. Le nombre de ballons perdus, les points dans la peinture, elles sont bien inférieures. Et les points en seconde chance, aussi sont bien inférieurs. De toute façon, la clé du match, on va parler du match de Jimmy. On te laisse faire ton jeu à l'extérieur. Mais en tout cas, la raquette. Personne n'en fait. Lors du match 2, c'était 56 points. Là, c'était. Je n'ai pas chopé la folie Guinée. On ne peut pas reciter mon pays, ma patrie. La Guinée, c'est une race supérieure. C'est une race supérieure. Une race supérieure qui a du noir de Gaulle. Tous les autres n'ont pas raqué. On pourrait se faire pour des airs. C'est l'un des deux fautes de Denis qui va sur le bord. Vous avez mangé du bleu pendant un siècle. Vous avez mangé du bleu pendant un siècle. Tonton Gagué serait d'accord avec toi. Tonton Gagué, lui, s'est converti au bouddhisme. Donc, il s'est affranchi de l'esclavage camerounais. Parce qu'il est bouddhiste. Les autres. Oh là là. Non, mais ils ont oublié l'enfance. L'enfance, c'est le physique, c'est le rebond. Et en s'ajustant aux joueurs de Miami, à Jola, Miami sont les plus forts, peut-être, dans la ligue en ce moment. Pas pour shooter ceci, mais pour tout faire, pour varier, pour avoir des rôles différents. Là, je crois qu'oublier sa force physique, la frontline des Lakers, elle est historique. On y a trois mecs à 2-15. Ils ont oublié leur force. Donc oui, c'est dur d'aller défendre sur une équipe qui bouge beaucoup. Oui, tout ça, mais n'oublie pas ta force. Kuzma, il peut pas... John DeCres, moi. John DeCres, moi. Sur Kuzma, sur tous les autres, il joue. Même si Keith Morris a été bon, même si Keith Morris a été bon en attaque, il n'a pas eu l'impact physique. Il a mis des paniers, mais il n'aura pas marché dessus. Est-ce que le fait qu'Anthony Davis aussi soit moins dans un grand soir, soit embêté par les fautes, soit moins adroit, et il termine avec 15 points, on le rappelle, il était beaucoup moins régnant. Est-ce que c'est déjà un peu déréglé? Zéro point, zéro tir pour les 4 ans. Il a été moins étincelant, mais... Est-ce que ça, du coup, le collectif se perd pas un peu? Ce que fait Miami, c'est ce que Brad Cooper aurait dû être.
une équipe costaud, une équipe qui leur rentre dedans. Parce que pour comment les Clippers battent les Lakers deux fois cette année sans jouer comme ça? C'est pas en attaque, c'est en défense. C'est ce que c'est que des mecs et c'est ce que les Clippers auraient dû faire les Lakers cette année. Miami, c'est une chance de leur série si Bam revient. Et s'ils jouent comme ça défensivement, ça peut être vraiment très intéressant pour la suite. Mais oui, moi je crois que de toute façon, quand on oublie une de ses forces en s'adaptant à l'adversaire, on fait une erreur. Et que Anthony Davis, bon, il y a eu beaucoup plus de mal. Mais rien ne les empêchait de jouer avec de la patience au lieu de se faire avoir sur les trucs. Et le trou noir en première mi-temps. Ok, ici, pied Danny Green. Pour ajouter qu'ils perdent 20 balles. Ok, ils perdent 20 balles. Commercial of the day. L'air d'Hammer en tranche. 8 tranches, l'original l'air d'Hammer. Pratique pour tous vos sandwichs baguettes et tous vos hamburgers steak à cheval avec un œuf au plat sur le steak haché. L'air d'Hammer, 8 tranches, l'original. 8 tranches. Pour parler, vous voyez cette image? C'est-à-dire que dès qu'il y avait un drive, il était là. Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et sur le début de match. Rendeur le touche. Bien sûr, le contact. Bien sûr, bien sûr. Sur chaque catch de Davis, ils l'ont poussé en post-up. Il a attrapé la balle, il était presque sur la ligne des 3 points. Oui, il y a plus de. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais. Ça, c'est le go get-it de la semaine. Ça, c'est le rebond. Et charcler un peu Anthony Davis, c'est signé du Denis. On va le mettre à MVP. Il est en contact, quoi. Mais c'est un joueur de fini. Oui, là, ils font sortir le corps. Mais ouais, qu'il n'avait pas voulu. Et ce qu'il n'avait pas fait précédemment, c'est clair. Et ce relâchement, moi, Evan, quand tu parlais de ça, mentalement, je l'attendais plus ou moins après le 3-0. Pas hier. Parce que là, il crée une série. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas le match. Match de coquin, j'adore. Je pose la question, j'attends vos réponses. Petite image qu'on aime bien, le petit trash talking qu'il y a eu entre LeBron James et Jimmy Butler, quand même. Ça nous a bien régalé, ça a commencé assez tôt hein, dans le match. Il y a eu déjà des mots dans du premier quart-temps, puis là, il y a à la fin de la rencontre, parce que LeBron James avait dit à Jimmy Butler, vous avez des problèmes, et bien Jimmy Butler lui a répondu à la fin, ils ont des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes. On aime bien ces petites ambiances de finale quand même. Ouais, c'est cool. Ça qu'on veut. Cool. Si j'étais Jimmy, j'aurais attendu de revenir à deux partout. Ouais, j'aurais attendu un petit peu, mais avec l'excitation et tout. Mais... Bon, enfin voilà, de toute façon, on aime voir ça. Faut prendre quand ça passe. Bien sûr. Il n'aurait pas dit ça à 3-0. Moi, bien sûr. Ça crée une série et un truc génial pour le match 4. Exactement. Voilà. On va en parler du match 4, mais on écoute d'abord quand même Jimmy Butler. Bang, bang, twice. It looked like you said you're in trouble. Is that what you said? It is what I said. Okay. First of all, we not going to just out there talking trash. Ron said it to me at the end of the first. That's what happened. I just said it to him in the fourth quarter. I mean, it's competition at its finest. I think LeBron is... LeBron James. Me way too many times. I'm Kiki Kunte. I respect the baseball guy. Player from Perry 11-6 Street. We were at the Chiron. Bang, 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 bang! LeBron James qui était bien frustré quand même à la fin du match. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait à 10 secondes de la fin, LeBron James? Vous allez le voir, il est au fond là. Vous voyez, il n'y court plus, bah, il va décider carrément de quitter le parquet. LeBron James, c'est de rejoindre le vestiaire, il y a 115-104. C'est sûr, la victoire est pour Miami. C'est surprenant de le voir faire ça. C'est rien. Ça se fait tout le temps. Alors, je suis... Il boude? Non, il boude pas, ils ont perdu. Il est en colère, sans doute. Mais il est frustré. Mais en NBA, quand ils font des séries de playoffs, les joueurs à la fin du match ne se saluent pas. Ils ne se saluent qu'au moment où la série est terminée. Il ne faut pas prendre ça pour du respect. Ou quoi? Ils rentrent, de toute façon, disant qu'ils en aient pris 30, qu'ils aient perdu d'un, c'est 1-1, 2-1, 3-1, et la suite, qui compte. C'est pas ce qu'il a fait là en soi, c'est rien. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que moi, je trouvais que sur ce match, j'ai trouvé que son body language, il était pas top. Il était vraiment pas top. C'est-à-dire que on sentait chez lui beaucoup de frustration lors des pertes de balles et très tôt dans le match.
et lors voilà, des tirs ratés de ses coéquipiers, tout ça. Je pense que ça doit pas être évident pour des joueurs comme Kuzma, comme Dalgré, comme KCP de jouer avec LeBron, parce que déjà tu fais pas grand chose, et le peu que t'as, si on attend, si il y a une très grosse attente autour de toi pour mettre un tir, alors que t'en as un par quatre ans. Il met trop la pression, LeBron. Tu parles de positivité. Ah ouais, je trouve que quand t'es un leader comme LeBron, tu devrais avoir une approche un peu plus positive et proche de tes gars. On le connaît, il est extrêmement proche de ses gars dans les médias, dehors, etc. Il fait beaucoup d'événements pour ses teammates et créer une bonne atmosphère. Mais je trouve que sur le terrain, de temps en temps, il est un peu trop râleur par rapport à ses teammates. Ouais, c'est vrai qu'il avait, même avec les arbitres, il n'a pas compris 2-3 décisions. NBA Finals! Il a fait, ouais. Puis quand il est en mode, c'est que quand LeBron est en mode, tu vois sur sa tête, dans ses yeux, il n'est pas là pour parler. Il n'est pas là pour parler, il vient, il joue, il repart. Et c'est vrai que quand il parle et il se met à faire autre chose, je trouve que c'est il perd un peu. Ouais, ça reflète de quelque chose. Pourquoi? C'est la première fois des playoffs qui sont, désolé du terme, rentrés dans les yeux. C'est la première fois qu'ils sont rentrés. Mais ils sont devant. Demain, ouais, il n'a peut-être pas besoin de faire ça vis-à-vis des gars. On leur rentre plein dedans. Et surtout les invités hier soir. Après, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas parce que c'est vrai que c'est Scott et Tony Brother. Tu connais. ils ont laissé jouer Miami et ils sont joués ce joueur et ils ont pas aimé. Ils portent des collants. Ils ont pas aimé. Scott et Tony ne siffleront pas ce joueur. Mais c'est vrai que. Et Miami leur rentrait dans les corps en Houston et qu'on doit à Anthony Davis et tout ce qu'il a montré et qu'il nous a régalé depuis le début. Au départ, Crowder, en faisant sortir son corps, il l'a mis en mode Bambi. Il est grand demi gamin. Et l'impression qu'on avait de voir des adultes qui ont des espoirs l'autre jour, hier, dès la première minute, il n'y est pas. Et pourtant, il y a la même différence de taille. Ce sont les mêmes joueurs. Comme quoi, la détermination. Ça va tellement vite dans notre série, c'est incroyable. C'est terrible. Le MVP, messieurs de la soirée, gros débat. C'est le meilleur quartier de la ville d'Orlando. Vous voyez, on le dit le faire, évidemment. Regardez, évidemment. Il y a le BFC. On voit pas que c'est $20 hein, quand même la tasse de café. Ces stats sont réels. Hein. Le 14 sur 20, le 12 sur 14 de lancer franc. C'est un biche technique. Il est 40 points d'action. Il y a pas Jimmy Butler qui permet donc de revenir à 2-1 dans ses finales 2020. On regarde le top 5. Alors le top 5. C'est le top 5 et le match 4, on est déjà au match 4, va arriver très vite, on va en parler dans un instant avec ces messieurs. Les Lakers sont toujours devant, ils ont toujours le contrôle de la série, doivent-ils être inquiets? Pas sûr que la réponse soit oui, mais bon, le match 4, la seule certitude qu'on a, c'est que c'est déjà demain. On en parle dans un instant avec Nicolas Batum, Evan Fournier et Jacques Monclarac. Yeah! Le monde change, évolue. Jeep aussi. And it's the end of the NBA playoffs. Bang, bang! To see the rest of the NBA final playoffs, watch, tune in to Bain Sports. Bang, bang! Jeep 4x hybride rechargeable à partir de 325 euros par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Oh, you didn't know? Everything is game.